il abrite deux opinions contradictoires. Surtout une. Une qui n'est pas la même tous les jours. Une qui le met hors de lui. Même hors de chez lui. Une qui le fait sortir de ses cons. Une autre qui lui fait prendre la porte. Sans morale, sans combat, il erre sans colère. Il vacille de tant de détachement, de légèreté. La solitude et l'isolement lui donnent faim, lui donnent envie de prendre part, de partager un avis, d'en reprendre une part, de se dire la bouche pleine, de se contredire, contrarier, de mendier son aval, 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 de vomir ses propos, de digérer ses contrariétés et de mettre un droit sur ses opinions. Sans combat, sans morale, il
colère sans colère. Il vacille de tant de détachement, de légèreté. La solitude et l'isolement lui donnent faim, lui donnent envie de prendre part, de donner son avis, d'en reprendre une part. Gérer ses contrariétés et de mettre un toit sur ses autres.